Ah bah Hagar, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour un nouveau live et pas n'importe quel live en plus puisque aujourd'hui jusqu'à 16h on va découvrir Starfield, enfin un des jeux que j'attendais le plus pour cette année 2023, je suis très content de pouvoir le tester. Alors Starfield, c'est quoi? C'est un des gros jeux Xbox, voilà, pour cette rentrée. Un gros jeu intergalactique, on va voyager à travers des planètes, on va se faire des vaisseaux, il y a du FPS, il y a plein de trucs, clairement. De base, ce n'est pas du tout mon style de jeu, mais je sais pas. Il y a un truc qui m'a attiré dans ce Starfield depuis son annonce. Donc je suis trop content de vous le proposer sur la chaîne et j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas on est parti pour 2 heures de découverte, prenez place tout le monde, Ninja, Océane, Kurem, Cricri, Julie, prenez place tout le monde. Et puis bah j'espère que ça va vous plaire, en tout cas je vais mettre un peu plus de son dans mon casque. Et c'est parti. Alors, trop excité de le découvrir en tout cas, je suis trop excité. Ah, j'espère que ça va être bien, j'espère que ça va être cool. Alors, avant de lancer, on va voir si tout est bien au niveau des sous-titres et tout. Est-ce qu'il y a des sous-titres? Est-ce qu'il y a tout? J'espère que ça va bien jouer, qu'il n'y aura pas de bug. Interface, commande, ça je touche pas. Audio. Langue, des dialogues. Oh, on va les mettre en français, tiens, on va regarder. En français, les dialogues. Génial. Accessibilité, sous-titres. Et ben voilà, on va y aller. Ça vient juste de sortir. C'est sorti il y a quoi? Il y a quelques jours. C'est dispo sur PC et sur console Xbox. Et bah écoutez, on va découvrir ça. Je suis très excité. Prenez place. Ça va Julie, ça va Charlie, ça va Océane, ça va Jay. Allez, let's go. On y va. Nouvelle aventure. Wouhou. Commencez une nouvelle partie. Oui. Installez-vous. Oh là là, j'espère que ça va être bien. J'ai hâte. J'ai trop hâte. On va bien s'amuser. Je vais mettre plus de son encore dans mon casque. Histoire d'être vraiment en immersion. Ouais, ça va nickel. Très très content. Bon petit live qui s'annonce là. Je suis refait. Je suis, mais alors refait. Ça va être génial. Allez, c'est parti. C'est parti. On va se laisser comme un film, hein. Ah, moi aussi, je l'attendais tellement, ce jeu. Je sais pas du tout si ça va me plaire, hein. Parce que moi, les trucs dans l'espace et tout, c'est pas trop ma cam à la base. Mais, par les créateurs de Skyrim, par les créateurs, c'est Bethesda, hein, donc du coup, je me dis pourquoi pas. On va voir. On va voir ce que ça donne, tout ça. Étanchéité, ok. Oxygène, ok. D'accord. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie salut, Océane. Salut, Gossy. Heller, c'est quoi ma règle de base? Écoutez, Lynn. Après, il est dispo aussi sur PC, sur le Game Pass. Hein. Écoute-moi. Le minage, c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil. Ouais, il me semble qu'il faut quand même un gros PC pour le faire tourner, il me semble, Charlie. Il me semble. Démembrement. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais. D'accord. Ouais. Et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. Ah, je peux bouger. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Ah, je peux juste tourner la tête. Et puis après ça... On aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés. Ça va, vous entendez bien? Niveau son et tout, est impeccable. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varun, d'accord? D'accord. C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux vivent pas aussi longtemps. C'est nickel, impeccable, c'est nickel. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot? Un de ces jours et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. En tout cas, ça va être magnifique, je le sens. Ça va être magnifique. Salut Manu. Ok, alors là, on est quoi? On est des sortes d'explorateurs, c'est ça? Ok. Déplacé. Voyons voir ce qu'on a. On est bon niveau temps? On a un peu de marge. On prend des échantillons? Toujours. Mais pas toi.
Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai ok, donc, envie d'être on est dans une sorte de grotte, là. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. D'accord. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère Oulala, est respirable sur le caillou qu'on creuse. Lui, c'est Heller. Ok. Tu sais et ça, c'est le commandant. Superviseur. Libérastra. Salut, Vaka. Ouais, là, c'est très tôt, là. Eh, pour toi, là, c'est très très tôt, là. Visez-moi plus de travail. Calver, non. C'est un laser, pas une masse. Vas-y, Mono. Vas-y doucement avec le laser. Si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Scoot-toi. Ouais, d'accord. En fait, ils coupent des petits des bouts de cristaux, c'est ça? Pas d'exception. Hein, ils prennent des ressources dans les grottes. La production minimale à ce stade. Bah carrément, Vaka. Tu vas bien? Qu'est-ce que t'en penses? On reste là? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok. On considère que ce filon est aride. Pourquoi on retournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant? L'autre grosse veine? Okay, madame. Alors on va le faire. Ok. Bon, on y va. On va voir l'autre grosse veine. N'est-ce point? On peut courir? Ah, peut-être que je peux pas encore. Bonjour! Excusez-moi, je suis pas trop concentré. Ah, c'est par là. D'accord, pardon. J'en ai aucune idée encore, Vaka, si je vais le faire tout en. Si je vais faire tout le jeu en stream. Découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Ramasser la découpeuse. Là. Ok, on prend. Voilà. Exploiter des gisements. Bon, ça me change pas de Tears of the Kingdom, quoi. Je casse des cailloux. Ah, c'est ça en plus. Ok. Ça me change pas, hein. C'est juste que au lieu que ce soit une épée, c'est un laser. Mais c'est la même chose. Ah, j'ai juste à les couper. J'ai pas besoin de les ramasser. Allez. Beryllium. Attends, reviens par ici. Ah, c'est bon. J'ai fini ma tâche. Je serais content de me tirer de ce caillou. C'est l'heure. Suis-moi. Ok, j'ai cassé 5 cailloux, c'est bon. J'ai assez travaillé. Oh, c'est dur ce travail, hein. C'est pas évident. Hein. Ah, de bosser comme ça dans ces conditions, pas simple, hein. Du doigté, ouais, je m'y connais. Non mais carrément. On y va. Tellement Vaka. On y va. On va où? Dans le trou là? Allez. Ah oui, c'est Heller de tout à l'heure. Heller, ça donne quoi? Ça a bugué là, il y a plus de son. 1, 2 ? 1, 2 ! Bah, ah, c'est bon. Oh. Un problème ? Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. C'était du chargement, je crois. Oh. Ah bon. C'est le tunnel, hein. Y a du bruit dans le tunnel. Bah, ok. On capte pas bien. C'est un boulot comme un autre. On y va. C'est Bethesda, hein. Je crois. Tout est juste. Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. Qu'est-ce qui déconne? C'est où, Heller? Par là, je crois. Ok, toi, à toi de jouer. Ouais, avec qui j'y vais. Mal, on viendra te chercher. Ouais, super. Maintenez LB pour allumer et éteindre la lampe torche. LB, c'est quoi déjà? C'est ça. Ok. Hop. Ok. Détecte encore des pics gravitationnels bizarres. Je suppose. Continuez comme ça. Bonsoir. Tu vois quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux aller là?
utiliser la découpeuse pour briser les dépôts de minerais. Il y en a dans chaque côté? Non, c'est que là. Objet étrange. Ah oui, c'est quoi cette plaque là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula! On a fait un voyage dans le temps là, on est parti où là? Téléportation? Où est-ce qu'on est parti? Où est-ce qu'on a voyagé? Où est-ce qu'on est parti? Salut Constance! C'est grave beau, ouais. Interstellar. Hey, oh, on se réveille. On a touché une plaque et... on est foncé. Doucement, doucement. Calme-toi, calme-toi. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement. Ah oui, c'est vrai. L'intro, ça fait penser à ça. Vous savez qui vous oui, êtes. Ça va très bien. Et toi, Constance? La nouvelle recrue d'Argos Extractor, ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, je dois faire mon profil. Ok. Alors, on y va. Alors, moi, déjà, je vais faire un... Attends, il y a plusieurs dossiers personnels. On doit faire son... moi, si on veut tout refaire de zéro, là. Là, c'est juste que tu prends un modèle. Voilà, attendez. On va essayer de faire son profil, alors. Bon courage. Avec la chaleur. Je prends n'importe... De toute façon, au pire, je prends n'importe quel profil et puis je change, non? On est d'accord. Je vais prendre une couleur un peu pâle, comme moi, à peu près. Enfin, à peu près. On va faire ce qu'on peut. Genre ça c'est bien. Ok, alors RB. Le corps. Alors on va essayer de faire un type qui me ressemble. Alors moi je suis très mince. Donc du coup... plutôt mince. Ok. Voilà. On va essayer de faire quelqu'un qui me ressemble. Type de corps. Ah oui c'est d'accord. Ok. Démarche. Oui, je marche vachement comme ça. Bah non. Alors on va faire comme ça. Visage. Ouais. Après c'est vite mat. On va rester en deux. Forme du visage. Bah j'ai une forme. Alors j'ai là c'est pas mal. Cheveux. J'espère qu'il y a ma coupe. J'espère qu'il y a mes cheveux. J'espère que attends, on peut dézoomer ou pas là? On peut pas dézoomer. Ah si, comme ça. Attendez, on va essayer de trouver un truc qui ressemble à ma... Ok, presque. Oula. Une belle coupe de cheveux. Celle-là, ça va aussi. Ça pourrait le faire. Allez, un truc qui ressemble... Oui, parfait. Génial. Voilà, c'est génial. J'ai la même coupe. Ouais, super. Génial. On y est là. On se rapproche. Ah bah attendez, super. Voilà. Oh. Là c'est exactement ça. Là voilà. Là c'est la même peu coup, ouais. Là parfait. Non, on va prendre celle que je trouve pas mal là. Elle me ressemble pas vraiment, mais celle-ci elle est bien. Couleur de cheveux. On va mettre foncé. Est-ce qu'il y a d'autres marrons? Pas mal. Pilosité faciale. Pas mal. Un peu plus peut-être. Attends, on va voir ce qu'il propose. Oh, non, pas vraiment. Moi, c'est plus un... Oh, ouais, non, pas trop. Oula, non, abusons pas. Abusons pas. Non, là, j'ai pas là sur les joues. J'ai que en collier. Ouais, ça va être plus ressemblant, ça. Ouais, mais j'ai moustache plus collier, y a pas. Bon, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Couleur pilosité, bah c'est noir, hein. C'est plus, enfin un peu plus foncé que celui-là. La coupe de Chantal Goya, c'est vrai. Tellement. C'est vrai qu'il y avait un truc.
Ok, on va faire ça. Les yeux. Alors moi j'ai des yeux un peu en amande. Non. Pas trop. Non. J'adore. Attendez, il faut que je trouve les bons yeux. Attendez, on peut peaufiner. Eh, je vais passer 1 heure sur le truc de profil, hein. Voilà, ça c'est Starfield. Hein, c'est un truc de vaisseau spatial et tout, non. Juste tu fais ton profil, c'est les Sims quoi. Bon, on va faire ça. Couleur des yeux est marron. Ouais, pas mal. Sourcils, non, là ils sont trop débroussaillés là. Moi il y a un peu d'ordre quand même. J'ai des gros sourcils moi ou pas? Un petit peu quand même. Non. Attends, c'était quoi la base? Ouais, c'est pas mal ça. Couleur de sourcil, je vais laisser. Le front, j'ai pas un grand front. Enfin, ça va quoi. Et je vais peut-être pouvoir même même un peu plus petit, c'est possible ou pas? Parce que là, j'ai un grand front là. Là, on peut faire cuire un steak dessus. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut pas le descendre? Là, je peux faire un barbecue, hein. No problème. Apparemment, non. Oh, bon, bah, c'est pas grave. Le nez. Alors, moi, j'ai un nez un peu avec une petite bosse. Non! Pas mal. Les oreilles. Les oreilles. Pas mal du tout. Hé, hey, il y a un truc en vrai. Les joues, moi, j'ai les joues un peu creusées. Oh! Eh, hey, il y a quelque chose en vrai, hein! Bouche, j'ai une petite bouche. Chris, il dit que j'ai une grosse bouche, mais je trouve pas, moi. Il y a quelques. Non! Il y a un truc en vrai, hein! Eh, hey, ouais! Il y a un petit truc quand même, hein! Salut, Mounir! Non, mais tellement, tellement vacant! Tellement! Oh non, pas. Non! Non, 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 j'ai des belles dents! Non, c'est quoi ces dents là? Ah, j'ai pas le choix dedans. Ouais, parfait! Génial! Voilà. Super! J'ai les mêmes dents. C'est bien. Super! Non, bien sûr que non. Allez, quand même. Eh ben, c'est pas mal. Attends, c'est pas fini encore. Mâchoire. Ouais. Menton. Menton, menton, moi, ça va. Le cou, je laisse. Bijoux, j'ai juste un piercing à l'oreille. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'ils vont en mettre un? Non, non, non. Non. Est-ce qu'ils ont le... Non, ils ont pas de piercing à l'oreille. Donc j'en mets pas. Allez hop, on enlève ça. Couleur des bijoux, non. C'est quoi ça? Derme esthétique, c'est quoi? Ah ok. On en laisse. Couleur de peau, défaut de peau. Ouais, j'ai pas de défaut. Cicatrice. J'ai pas de tatouage. Base de rouge à lèvres. Moi, mes lèvres, elles sont roses un peu. Oui, elles sont. Elles sont comme ça. Ça parle de quoi le jeu? Ça parle de créer son personnage. C'est tout, voilà. De la crasse, non, je suis propre, hein. Voilà, bah écoutez, voilà mon petit personnage de Starfield. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je suis assez content de ma création. Oula, alors qu'est-ce que c'est que ça? Agriculteur, je suis pas agriculteur. Il y a un truc en vrai, hein. Hein? Oui, après on va dans l'espace. Si vraiment on a le temps, on va dans l'espace. Mais de base, le jeu, c'est juste, on crée un personnage. Non, moi, je suis pas agriculteur. Les minerais découverts ont souvent débouché directement sur des avancées. En oxygène. Non, moi, je suis pas agriculteur.
Je suis pas chasseur non plus. Il y a ceux dont la tête est mise à prix et ceux qui s'enrichissent en les capturant. Oh non, c'est pas moi. Qui saurait dire où se situe le bien et le mal? Si vous avez appris une chose en s'éloignant de la galaxie, c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir. Oh là là, non. Je suis pas une crapule de l'espace, moi. Cybernétique. Eh, vous me voyez en quoi? Vous me direz hein, en quoi vous me voyez, vous. Les robots. Ah non, 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 trop, trop. Ah ouais, non, médecine, c'est pas mon délire. Le diplomate. Les systèmes occupés vivant désormais en paix, mais uniquement parce que certains ouvrent en silence pour la préserver. Grâce à vous, des accords ont été signés, des avertissements pris en compte et des vies épargnées. Dans le système occupé, ceux qui maîtrisent l'art subtil d'écouter et de parler peuvent souvent aller plus loin que ceux qui préfèrent tirer d'abord. Ah, j'avoue que moi, je tire quand même. Je suis pas très diplomate. Enseignement. Non, j'enseigne rien. On dit que le temps des grands explorateurs est révolu, mais vous faites la preuve vivante du contraire. Oh, les armes laser personnelles sont extrêmement répandues. Eh, mais je suis grave un explorateur, moi! L'humanité a accès à une infinité de mondes aliens et la capacité de décoder toutes les données en mode Samus Aran? Ah ouais, moi je suis un peu ça, hein. Grande cuisine, pas du tout. Industrie, pas du tout. Non. Je suis pas piratage. Pèlerinage, non. Non. Soldat, non. Eh, je suis exploration, je pense. Ouais, on est d'accord, hein. On est en explo. Allez, exploration. Ah, je dois en choisir qu'un. Ouais, on en choisit qu'un, on est d'accord. Ok, super. Élytré. Vous avez signé pour participer à une expérience controversée. Visant à mélanger les ADN humains et aliens. Non. Extraversion. Vous êtes très sociable. Oui. Du coup, mon contraire, c'est introversion. D'accord. L'empathie. Je fais preuve d'empathie. Ouais. Et puis, je dirais... vous êtes propriétaire d'une luxueuse maison personnalisable. Mais vous avez un prêt de 120... Oh non, non, moi, je veux pas de crédit. Pas de coco familial. Je m'éclate plus sur le menu que dans le jeu lui-même. Non, non, voilà. Terre ferme. Vos points de vie, vos oxygènes sont augmentés à la surface. Peut-être dans les étoiles, carrément. Vos points de vie, votre oxygène sont augmentés dans l'espace, mais réduits lorsque vous trouvez à la surface. Ah, il y a un malus que j'aime pas là. Toute votre vie, vous avez généré un grand serpent. Oui, c'est vrai, j'ai un grand serpent. Ah, je sais pas quoi prendre. Vous bénéficiez d'un coffre spécial rempli d'objets. Qu'est-ce que je prends? Je sais pas. Vous avez accès à des options de dialogue. Oh non, je m'en fous. Je sais pas. Allez, tête dans les étoiles. Voilà. C'est bon. J'ai fini. Empathie, exploration. Yes. C'est bon. Nom de joueur. Je veux bien. Ah, sur le clavier peut-être. On peut mettre un espace ou pas? Parce que, bon. Voilà. On est pas mal. Confirmé. Parfait! Voilà! J'ai oublié que t'avais mentionné ton goût pour. Ouais, il y a le choix des pronoms, c'est bien ça. Tout doit te paraître plus lent maintenant que t'as plus de vaisseau. Ça va. Bon, t'as récupéré l'échantillon. Oui. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Ça marche. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Bien sûr. Il y avait cette lumière, comme un rêve. C'est le vide complet. Comme un rêve ou une vision, moi j'ai plus vu ça comme ça. Plutôt comme ça. Oh là, doucement avec les alus. Oh. Les endorphines ont dû te faire de l'effet pendant que t'étais KO. Va claquer dans les pattes maintenant. Ça va finir par passer. En ça marche. Cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Bon bah super. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule. Ouais bah je suis carrément foncedé apparemment. On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. Bah carrément. Tiens, quand on parle du loup. On envoie la queue. Appuyez sur pour permettre entre la vue à la première personne. Ah bon, on peut faire ça. Oula. J'aime pas trop. Notre contact de constellation est en Vous préférez quelle vue, vous? Groupe d'explorateurs.
Oula, j'aime pas. Oh là, ça a pas l'air d'aller. Non, je crois que je vais rester en première. Je vais rester en première. Je sais pas, je pense que le jeu il doit être mis en première personne. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. Alors qu'est-ce qu'on branle ici en fait ? La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais explorer l'espace ? Qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Moi, je veux explorer l'espace ! Allez, ouais, ça secoue moins. Mets ton casque. D'accord. Appuie pour ouvrir le menu des données. Ok. Alors là, c'est l'inventaire, du coup. Ça marche. Alors, équiper un casque. La zone en bas à droite pour accéder à votre inventaire. Ok. C'est là ? C'est pas là ? Attends. La catégorie des casques. Vous voyez, vous ? Objet ? Non ? Là. Casque spatial. Ok. Maintenez pour quitter. Ok, c'est bon, j'ai mon casque. Oh, on va explorer là ? Waouh ! Ouais ! Ouais ! C'est bon, voilà, c'est bon, ça a bugué. Hein. C'est beau, la lumière elle est belle. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est des copains? Retrouver le client. Ok. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ouais, vas-y, fais ta vie, hein. Lynn est occupée. Non mais super, personne me calcule. Comme tu dis, cette mine sur Bindi, c'est ça. Kazal, un trou infernal, comme cet endroit. Contrat de minéraux rares. Tes goûts. Alors qui est Barrette ? Maintenant, non ? J'en ai aucune idée, Constance. Comment je vais mettre Starfield. Est-ce que je le fais de mon côté ou est-ce que je vais faire en live? Tout dépend si vous kiffez déjà ou pas. Et ça dépend des deux heures, comment elles vont se dérouler. J'en ai encore aucune idée. Là pour le coup on fait juste une découverte. Et j'espère qu'on va pouvoir le refaire, on va pouvoir faire la suite. Ah bon? Ah bah. Vous avez vécu un petit trip hein. J'étais défoncé. On peut dire ça. J'étais défoncé. C'était fun, non? Carrément. Plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Ouais, je t'ai foncé. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. Oh, t'as les cash, elle. J'adore, Lynn. Les affaires. Elle est cash, elle, hein. Business is business, hein, chérie. Hein. Les scanners de l'Argo indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah. Je pensais vraiment les avoir semés. Arrête. Oh, t'as ramené encore qui, toi, derrière ton cul, là? Oula! Oula là! Prenez une arme! Ok. Je fais comment après pour mettre... C'est ça l'arme? Non. Comment on fait pour utiliser l'arme? Non. 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 C'est ça l'arme? Non, c'est le laser, ça. Mais j'ai pas d'arme! Attendez. Mais une découpeuse, je vais pas aller loin, moi, avec la découpeuse. Ah, voilà! C'est bon, chérie. Oula! C'est où? C'est là! Vas-y! Bah...
Eh, y a des soucis de son là. Et petit bug, Bethesda là. C'est pas votre genre pourtant. Et de 1. Les gars. Bah. Prends tes balles. Oh attention. Bon, bah, on va y aller directement. Wait. Moi, je suis toujours un mec qui fonce dans le tas dans les jeux. Yes. Votre santé est faible. Ok. Attends, attends. Ok, et A. Bah, je veux bien viser la tête. Mais laisse pas faire. Monte ta tête. Ouais. Attends, ma couillasse. Yes. Encore un caisse de soin. Qu'est-ce qui est... Elle là. Ah, ça bug. On n'est pas mort. Ah, voilà. Sachez que ça faisait pas partie de mon plan. On a retenu les pirates. Ah, mais moi, je me mets jamais à couvert dans les jeux comme ça. C'est un truc de ouf, hein. À chaque fois. Jamais je me mets à couvert. C'est bon, Barrette. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Carrément. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Oui. Et avec moi, Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Allez, ça marche. Si Constellation peut me dire que ce qui est cet artefact, j'accepte. Si vous comptez m'emmener loin de cette maudite lune, je vous suis. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'est cet artefact. Ça m'intéresse fortement. Ça m'intéresse fortement. Oh non, Barrette. Pourquoi j'ai été foncedé? Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Je sais, je sais. Ton poudreux? Mais il a mieux à faire que miner maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Oula. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Super. Merci pour tout, Lynn. Allez, partez, avant que je m'épanche trop. Allez, bye. Maintenant que ce problème est réglé, Vasco, mets le cap sur la loge. Ok, on se barre, quoi. On la quitte et on part à l'aventure, là. On part au business. Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Oh, une Apple Watch. Oh merci, j'en ai toujours rêvé. Ah ouais, merci, une montre. Ça fait plaisir. J'adore quand tu parles et qu'il n'y a rien qui sort de ta bouche. La montre vous va parfaitement. Bah oui. Des questions? Bah écoute, non. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Pourquoi moi, ce n'est pas plutôt vous qui devriez y aller? Non. Vous me donnez votre vaisseau? Non. Qui êtes-vous? C'est quoi Constellation? On va demander ça. Voyez, c'est ça le problème des systèmes occupés. Il faudra savoir un peu plus sur l'histoire. Superficielle. Pendant que le reste du secteur ne pense qu'à ses intrigues politiques, nous bravons l'inconnu et nous explorons l'immensité de l'espace. Sans nous, la galaxie ne serait qu'une grande pièce plongée dans le noir. D'accord. Pourquoi ça? Ils obéissent à la pas du gain comme tous les pirates. Et j'ai une certaine réputation de, disons, aimant à butin. Ok, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je suis dans le mystère. Je veux pas une seule égratignure sur la coque. T'inquiète, j'ai conduire moi, t'en fais pas. Eh, ça me connaît de conduire des engins. Oh, moi les gros vaisseaux, t'inquiète point, moi. Et moi je suis trop fort dans l'espace, t'inquiète. Oh, je vais conduire, t'en fais point. Kit de soin, on prend bien sûr. J'espère qu'on peut conduire le vaisseau. Montez à bord. Ok, et là on va aller à Constellation. Wow. J'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe Bien A. sûr. Comme Barrette le dit souvent, c'est comme
apprendre à faire du vélo. Ouais, c'est quasiment pareil. Je vais essayer de renforcer les boucliers, au cas où nous rencontrions des difficultés. Non, non, il n'y aura pas de difficultés, t'inquiète pas. Je vais bien savoir conduire. Je sais conduire. Les boucliers sont prêts. Mais non, tu vas voir. Décoller. Allez, vous êtes prêts? Ok. Ranger, Ranger, je décolle. Je décolle. Ah, dans 3, 2, 1. Lâchez les artibuses. On y va. On y va. Ok. Allez, plein gaz. Plein gaz. Ouais. Et là, droit vers la planète. Droit vers la planète. Attention. Ouais. Alors, où est-ce qu'on est là? Oula, il y a beaucoup de boutons hein, quand même. Bien sûr. Et je dois aller où? Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Ouais, ce serait mieux parce qu'on est quand même dans l'espace, que j'ai pas envie de crever. Je peux vous guider le long de ce processus. Wouh! Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Ah non, je sais pas le faire, je veux bien que tu me dises. Utilisez les flèches pour sélectionner un système. Pour y allouer de la puissance, vous pouvez passer le dictaticiel en alimentant tous les systèmes au maximum. Ah non, 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 je sais pas quoi faire. Alors, on va voir. Attends, il y a des boutons en bas à droite, en bas à gauche. Là, balle, MLS, mot, bout. Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. D'accord. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Bah oui, puis je sais tellement ce que ça veut dire. Oui, vas-y. Le moteur détermine votre vitesse maximale. Essayez de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. Ça marche. Pour augmenter, réduire la vitesse. Ah non! À une certaine cadence, le moteur du vaisseau rend les virages plus maniables. Essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Hein? La DH du vaisseau. Vous remarquerez un indicateur de vitesse dans le coin inférieur gauche. Oui, j'ai vu. C'est une jauge qui monte et descend en fonction de votre accélération. D'accord. Essayez de centrer la jauge. J'ai jamais joué, Vaca. Avec le milieu des barres verticales à sa droite. Alors, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça, je... Oula. Vous pouvez utiliser la fonction turbo pour gagner temporairement en vitesse. Et comment on fait? Booster la vitesse du... Ok. Wouh! Ok, ok, ok! Là, on va vite, là! Ok. Turbo! Portons notre attention au bouclier. D'accord. Essayez de varier l'énergie dans les boucliers. Vous remarquerez que la puissance augmente leur robustesse. Comment on fait bouclier? Bouclier protège la coque du vaisseau. Sans coque... Ah, c'est ça, c'est bou? La vaporisation. Ah oui, c'est boue. Ouais, ok, ça marche. La santé de vos plus tu, déçus, tu réduis, moyen de bouclier. Les dégâts de la coque sont affichés juste en dessous. Là, le moteur, ok pour la vitesse. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Asmo. Ça, je sais pas non plus. Balle. Balle. Balek. Et là. D'accord. C'est bon. On va. Quoi? Non, attendez, je sais pas maîtriser. Ok, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons devoir désactiver leur bouclier. Ok, je fais comment? Les armes laser sont particulièrement efficaces. Wouh, ok. Ah, ça tire automatiquement? C'est tout ça. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Y'a plus de piles! Vas-y! Les boucliers ennemis sont désactivés. Oh, mais tellement! Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Y'a plus de piles! Vas-y, go, go, go! Attends, LT, c'est quoi? Attends, bouge pas! C'est ça, LT, hein? Ouais, ok. Vas-y! Ouais!
Il est détruit. Vous avez survécu à votre premier combat. Mais genre, il va y avoir des combats dans l'espace comme ça en temps réel et tout là. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Mais carrément. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Là, je vais foncer dedans là. Où est-ce qu'il est le truc? Voulez à proximité des épaves et appuyez sur A. Ça marche. Bah, c'est où les épaves? Ah, mais elles sont au-dessus de moi! Attendez. Épave! Voilà! On prend tout! J'ai tout pris là? Deux autres vaisseaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, capitaine. Oula! On y va! Vous ne mourrez pas! Il faut que ça charge là. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Attention, je vais trop vite là, ça va trop vite. Oh! Là! Ok. Vous allez voir! Alors je sais pas s'il y a mieux pour tirer ou j'ai que ça comme laser. Bon attends, il faut que ça recharge. Ok, il est bientôt mort. Ouais! Faut que j'aille récupérer les bouts d'épave là, je sais pas quoi là. Ok, super. Doucement le moteur, doucement, vas-y doucement. Là, oui. Wouh. Quoi, je vais crever? Ah lui, pas moi hein. Allez. Ah non, moi j'ai bien tout pris de vie, je crois, si. Vas-y. Ah, tu l'as senti passer, hein? Allez, go! Je suis presque là. Stop. Demi-tour. Ouais! Allez, je vais pouvoir augmenter mon moteur là, si j'ai bien compris, la vitesse. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Super. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, bon, j'ai réussi. Un complexe à l'abandon sur la lune voisine. C'est pas évident, mais j'ai réussi. Pour l'instant, j'ai pas trop capté tout ce qu'il fallait capter, mais. Ouvrir le menu des données. Ok. C'est le temps que je me familiarise avec tous les menus là. Carte stellaire. Ok. Ouais, je m'en doute. Avec le temps, ça va le faire. Voyager d'une étoile à l'autre. Dézoomer pour afficher tout le système planétaire. Dézoomer à nouveau pour voir toutes les étoiles du système, des systèmes occupés. Planifiez votre itinéraire en sélectionnant le système planétaire que vous souhaitez vous rendre. Votre vaisseau n'est capable de parcourir qu'un certain nombre d'années-lumière à la fois. Pour atteindre les systèmes planétaires les plus éloignés, vous devez peut-être faire une étape dans un système plus proche. D'accord. Alors, donc du coup, je dézoome. Ah non, tu peux dézoomer que là. Donc ça, je l'ai exploré, celui-là. Donc si je vais aller au prochain... Débris de vaisseau. J'ai pas tout vu là. Configurer cible atterrissage. Je dois. Attends, je comment je fais pour bouger? Me montrer, hein? Je dois faire comment? Ah bah hey girl. Oh ok, super. Salut Estelle. Donc là il peut me montrer. Il montre tout ce qu'il y a, ok. Donc là si je veux pas avoir aluminium. D'accord. Et comment je fais après? Je dois aller là en fait? Je dois aller sur cette planète là? Non. Mission? Modifiez la quête suivie sur votre ATH. Vous ne pouvez en suivre qu'une à la fois. Sélectionnez le nom de la quête pour afficher la liste des objectifs ouverts. Barrett veut que j'apporte l'artefact à ses collègues de Constellation. Il m'a prêté son vaisseau. Le Frontier. Oui! Rendez-vous sur Crete. Ok, alors c'est pas la bonne.
c'est pas la bonne. Mais je sais pas comment on fait pour switcher de planète. Comment on fait pour switcher de planète? Il faut que je fasse ça. Ah, comme ça. D'accord, tu cliques. Comme ça, ok. Hop là, direct. Cric, crit, c'est là que je dois aller. Mettre le cap sur crit. Je pense que je peux y aller. On est d'accord. Allez, on y va. C'est bien ça? Oula, et je capte pas tout dans les menus, hein. Salut Nao, ça va? Ouais, ça va le faire. Je pense, hein, au départ, je vais galérer, hein, au début. Ah, attendez, c'est où crit du coup, là? Moi, je suis où? Moi, je suis là. Ok. Ok, et crit, c'est juste là. Bah, on y va. Voyager. Let's go. Oh, voyage. Bah, écoute, on n'a pas fait grand-chose, Nao. J'ai créé mon perso. J'essaie de me retrouver dans le menu. Pour l'instant, il s'est pas encore passé grand-chose. Le capitaine de la flotte écarlate se trouve à la surface. Quoi que... la vue planétaire de la carte stellaire vous donne des informations sur votre environnement. Vous permet de scanner la planète à la recherche de ressources et de découvrir les sites d'atterrissage principaux. Faites tourner la planète jusqu'à ce que l'icône laboratoire de recherche de Crit apparaisse. Là, il est là. Atterrissage à la base de recherche. Et atterrir. Ok. En fait, si j'ai compris, soit tu peux atterrir. Tu peux atterrir soit avec ton vaisseau directement sur la planète, ou soit tu cliques sur le bouton et tu as un atterrissage rapide. Si j'ai bien capté. Il est super BG. Ouais, vers 16h, je pense, 16h30. Ça dépend comment je suis pris par le jeu, Baka. En général, c'est 16h, ouais. Ça passe vite, là, ça fait déjà presque une heure. Ok. Donc là, je me barre. Ouh, c'est cool. J'ai quitté quoi? J'ai quitté le vaisseau ou j'ai quitté... Oh non, c'est bon. Oh, c'est beau, ça. Ok. Donc là, je suis là. Lui, il sert à quoi? Capitaine, le protocole Indigo m'oblige à retourner à la loge sans faire de détour. Nous sommes ici pour empêcher la flotte écarlate de nous poursuivre. Rien de plus. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais explorer, alors. C'est beau! Oula, ça, c'est des monstres, ça? Ok, nutriments. Je sais pas si je dois les tuer tous. Hop, je prends, hein. On prend, hein. Ok. Il y a des petits bugs de son, hein. Quand même. Je sais pas si ça vient de mon ordi ou si ça vient du jeu. Mais... Attention, capitaine. Les créatures aliens sont parfois imprévisibles. Ah, LB pour sortir le scanner. Scanner les créatures. Oh, je vais adorer ça, comme dans Metroid Prime. Oh, je vais adorer. Et scanner. Comment je fais pour scanner? Non. Scanner et après. C'est juste ça? Est-ce que le scan c'est que ça? Ou je dois appuyer sur un bouton? Il y a A. Scanner A. C'était juste ça. Là il est scanné là. Là, ça se calme. Bon, j'ai pas tout compris. Ah, ça peut le tuer, ça? Ok. Bon, j'ai pas tout capté, hein. Je pensais qu'il y allait avoir une animation pour scan, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cette planète? Ah ouais, mais je vais trop kiffer si on peut scanner des trucs. Ah oui, regardez. Et là, j'appuie sur A. Et ça a scanné. Du fer. Argent. Ok. Ah, c'est beau, en vrai. Et moi, j'aurais envie de scanner tout. Hein. Labo de recherche de Crit. Ok, donc ça, c'est vert, donc j'ai déjà scanné. Pour sauter, c'est là. Oula! Mais oui, y a pas...
Oh là là, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent aussi haut du coup, mais c'est vrai qu'on est dans l'espace. J'avais oublié ce détail. Est-ce qu'on peut scanner de loin? Ou il faut être proche quand même? Il faut être assez proche. Ok. Encore deux trucs à analyser. Je vais passer mon temps à faire ça. En plus, moi, je suis pas du tout habitué à ce genre de jeu. Là, j'ai vraiment l'impression de... de faire un jeu de fou, là. D'explorer comme ça, en première personne, dans un jeu un peu spatial, c'est pas du tout... Là, je sors de mes sentiers battus. Je sors de ma zone de confort, là. C'est pas du tout un genre que je maîtrise, quoi. Il y avait un truc à scanner aussi. Enfin, c'est du fer. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? C'est par là qu'on rentre? Bonsoir. Moi, je rentre comme ça. Je me suis cru chez ma daronne. Ça a l'air d'être là, hein. Il trouve le jeu moche? Oh bah, en tout cas, pour l'instant, je le trouve vraiment pas moche, hein. Je trouve vraiment, vraiment pas moche. Pour le peu que j'en ai vu. Alors. Ok, donc là, je suis dans le laboratoire. Ok. Donc là... Ce sont les couleurs de l'Union coloniale. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Liber Astra. Pourquoi c'est tout glock là? Pourquoi il y a pourquoi il y a personne là? C'est trop bizarre. Soin de premier secours. Pourquoi c'est il fait tout noir là? Oh là là, il s'est passé encore une dinguerie ici. Il s'est passé une dinguerie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, il y a un truc à scanner. Ah non, c'est le gars. Bah ouais, c'est pas un jeu d'horreur. Mais on voit que l'ambiance, elle est bizarre, hein. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Plateau de nourriture. Il y a encore plein de trucs. Attention. Activité ennemie détectée. Où ça? Oula, ils sont là, ils sont là. Cible abattue. Je okay. Vise votre centre de masse. Et heureusement qu'il est là, lui, hein, merci. Je peux scanner, lui? Le mec, il prend ce café à lui. Vous allez voir le skill incroyable. Ah bah, pousse-toi la boîte de conserve. Oh, oh non, pas une autre boîte de conserve, hein. Coucou. Oula, il a pas aimé. Merci. Prendre chargeur, cadence de tir. Ok, regarde. On prend. Voilà. On prend. Moi je veux scanner des trucs. Eh, hey, y'a des trucs, ça sert à rien, genre paquet de cartes et tout, ça sert à rien de prendre tout ça. Ah, en plus, je vois qu'il y a un système de masse là. Ça veut dire que plus tu prends les objets, il y a un moment après, tu deviens lourd et tu peux plus avancer, c'est ça? Ah, ça va être super. Ah non, il faut pas que je prenne tout, il y a des objets qui ne servent à rien, je suppose. Je le sens bien. Merci pour les bits, Vaka. Ouais, en fait, on a tendance à prendre tous les objets, mais il y a des objets qui vont servir strictement à rien. Et après tu vas être lourd et pour te déplacer tu vas galérer. Ok. L'orimorphe, c'est quoi l'orimorphe? Oula, je crois qu'il y a un monstre qui s'est échappé là. Les gars, je crois qu'il y a un monstre qui s'est échappé. Oh non, ça va être quoi? Bisous Vaka, à bientôt, bye bye.
Bon après-midi. Ouh là 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 là. Il y a un monstre qui s'est échappé, je crois. Merci Vaka, à plus, bisous. Oh bah regardez. Wouh, pas le temps de niaiser ici hein. Wouh. Allez bye. Ah moi je prends tout. Je prends tout. Aucune source d'inquiétude dans les environs. C'est quoi le... C'est quoi qui s'est échappé là? C'est quoi ça, regardez? Ah je crois qu'il y a un... Mais attends, il m'a pas entendu lui. Ah j'ai plus de balles. Attends, pousse. Non c'est pas comme ça. Comment on fait pour changer de... d'arme? Comment on fait pour changer d'arme? Attends, bouge pas. Non, bouge pas. Non. Bouge pas, j'arrive hein. Tu vas mourir dans pas longtemps. Non. Toujours pas. Ouais. J'arrive. Voilà, j'arrive. Voilà. Je suis à toi. Voilà, parfait. Ah bah j'ai pas de balle non plus. Attends, bah bouge pas. Bah, décidément, j'ai l'impression d'avoir une impression déjà vue dans, dans cette situation là. Bon. Il me faudrait une arme ou il y a des munitions? Il y a vraiment plus de balles là. Ok. Mm-hmm. Alors, munitions 0, 0. Oh. Ah, là j'en ai apparemment. Super. Voilà. Oui, là j'en ai. L'ennemi est sorti de notre champ de visite. Bon, il est un peu bugué, hein, quand même. Ouais, niveau 2. Vas-y, viens là. Ah, j'adore les mitraillettes comme ça, là. Parfait. Putain, j'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Mayday, mayday. Je suis dans la merde. J'ai aucune arme. Est-ce que j'en ai encore des munitions? Ah, j'ai une hache. Allez. Ah ouais. Oh, je suis mordu. Wouh. Viens là. Bam. Ah bah voilà. Fallait le dire plus vite. Wouh. Bam. Et bam. Ah bah voilà. Ça va tout de suite mieux avec une petite hache. Kit de soins. Ah lui il a pas l'air content. Ok. Là il me faut vraiment de la... Il me faut vraiment de munitions là, c'est pas possible. Là je vais crever les gars. Je vais crever là. Je vais vraiment crever dans ce jeu là. Et je sais pas comment on fait pour changer d'arme rapidement au lieu de revenir sur le menu. Y'a pas un système de raccourci? Y'a pas un truc non. Y'a pas de système modifié, Maelstrom. Ah, moi je comprends rien à ce menu, mais ok, d'accord. Je comprends rien à ce menu, mais oui. C'est ça. Exactement. Plateau à nourriture, je m'en fous. Ah, est-ce que là, c'est... Des crédits, c'est quoi? C'est de l'argent? Attendez, j'avais gagné un point de compétence aussi, là, je crois. Il me semble. Qu'est-ce qu'on a gagné? Système, analyse. Comment on fait pour changer les points de compétence et tout? Statut? Ah, ouais. Personnage peut-être? Non. Général, exploration, vaisseau, mission, combat. J'en ai aucune idée. Ah non, tu peux rien faire ici en fait, tu peux juste regarder. D'accord. Bon bah c'est pas là. Mission, carte stellaire, vaisseau, compétence.
À chaque niveau gagné, vous recevez un point de compétence. Chaque compétence débloque également un défi qu'il faudra relever avant de pouvoir l'améliorer en lui attribuant un point de compétence. La rangée du haut représente les compétences de base. Les catégories en dessous ne deviennent accessibles qu'après avoir dépensé assez de points dans ces premières. Ok. Alors, ça c'est celle que j'ai. Alors attendez, il y a combat, il y a social, il y a physique, furtivité, forme, boxe, haltérophilie. Peut améliorer la manière significative la quantité d'armes et d'équipements qu'on peut transporter. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est super ça. Charge maximale augmentée de 10 kg. Ça va être très utile ça. Ça, c'est super parce que vu qu'on prend beaucoup de trucs, il y a un moment, on va être très très là. On va être très très lourd. Donc, faut prendre. Ok, super. Bon, bah, je crois qu'on peut avancer dans l'histoire. Il y avait un truc là, laboratoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un médicament dont l'efficacité n'est plus approuvée et qui sert à soigner les affections. Je peux faire des trucs là? Ah! Je peux fabriquer des pansements et tout avec les trucs que j'ai trouvé là, enduit, fibre et tout. Ok. Donc on va fabriquer ça. Un petit pansement. Bon, on va en faire 3. Allez, on est direct. Ah, je peux faire que des pansements. Bon, bah, on va faire que des pansements. D'accord. Donc ça, ça permet de créer des trucs pour te soigner. Pas de problème. Là, il n'y a rien, c'est des poubelles. Et là, il y avait des portes aussi ouvertes. Est-ce que j'ai loupé un truc? On peut prendre une douche. Non, bon. Ça marche, bon, pas de douche, hein, pas de problème. Pas de douche, pas de douche. On y va. Ici, kit de soins. Oh, j'ai pris un truc, c'est cœur plus. Cœur plus, qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai aucune idée. Vu que les menus, j'y comprends rien pour l'instant. Il parle à qui, le gars, là? Ah là! Eh, y a des bugs de son, hein. Il y a des bugs de son et d'image quand même. Cuivre. Ok. Oula, oula. Oula. Ah bah c'est embêtant, c'est un bug, chérie. Faut tout prendre. Ça c'est un peu moins bien. J'ai compris, hein. Des fois je fais genre que je comprends mais je comprends rien. Vous allez vite le savoir. On prend ça. Qu'est-ce que c'est ça? Extracteur de molécules, bien sûr. Ah mais il y a des trucs que tu peux prendre comme objet pour les revendre en fait, si j'ai bien compris. Pour te faire des crédits. J'ai vu là, c'est marqué crédit je crois. Ou valeur. Regardez, valeur 35. Je pense que du coup, je peux le prendre et les revendre plus tard. Mais faut pas que je prenne trop non plus parce qu'à un moment, je vais être alourdi. Et je vais plus rien porter. Alors, qu'est-ce que je dois prendre? À la base, je devais pas juste aller dans le laboratoire et leur dire je sais pas quoi là. C'était quoi la mission de base déjà? Je devais aller au laboratoire et leur dire qu'ils m'en disent un peu plus sur Constellation, c'est ça? C'est ça la mission de base, hein. Bah ouais. Mais pourquoi il y a personne ici là, je capte pas. Ils sont où les gens? Bon, à l'étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonsoir. Eh, ça respire la joie de vivre, hein, dans ces labos. Ça respire la joie de vivre. Je détecte un coffre à proximité. Ah. Nous pourrions faire usage de son contenu si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et de quoi? Un mépris total pour la propriété de... Oula, c'est quoi ça? Attends, je vais te scanner d'abord. Bouge pas, chérie. Scan.
Voilà. Bouge pas. C'est bon, Tess. C'est bon. Ah! Oh là là. Oh là, j'ai full feu! Ah, je suis en feu! Ah bah c'est bon. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, la catastrophe. Ok, alors où est-ce qu'il est le coffre? C'est ça le coffre? Tablette d'urgence. Plus rien ne fonctionne, impossible d'appeler des renforts. On est tous morts. Ok. Le centre de communication. On peut déverrouiller des coffres forts. Ok, alors on va voir si je suis doué. Impossible. Pour ouvrir le verrou, comblez les encoches de chaque couche. Sélectionnez une clé et faites-la pivoter. Ok. Et des gens en train de hurler. Attends. De chaque couche. Ah, tu peux changer comme ça, ok. Je me disais, il y a un problème. Je me disais, il y a un souci là. Ok. Et là. Non. Ah là. Ok. C'est un peu comme Professeur Layton au final. Ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est une clé? Qu'est-ce que c'est? Composant commun. Cet objet peut être utilisé comme composant de fabrication. D'accord. Négocier avec le capitaine de la flotte écarlate. Mais négocier quoi là? Attends, mais moi je capte rien moi dans le jeu. Et moi je capte rien hein. Je peux l'ouvrir ça? Une glacière avec de la bouffe. Ok. Un ordinateur. Oh, ah super. On peut aller sur Google. Aujourd'hui nous devons installer l'ICN sur l'Orimorph. Si je me fie à la fois où les soldats nous ont déposé la créature, la station devait nous laisser une fenêtre de 15 minutes environ. Il va falloir bien en profiter. Mais c'est quoi ce monstre là? Il est où le monstre? Je sais pas quoi là. Il devait être là apparemment vu les griffes. Y a que moi qui capte rien au jeu là pour l'instant ou... Where is le monstre? Oh. Je dois aller où les gars? Salut Gabi. Mais je sais même pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire dans ce laboratoire? Ah, est-ce que c'est par là? Alors en plus, moi j'ai pas le sens de l'orientation. Alors autant vous dire que je suis paumé. Bah je peux pas vraiment dire, j'ai fait qu'une heure de jeu, on a quasiment rien fait là. Je viens d'aller sur ma première planète. J'ai aucun avis pour l'instant. Franchement, j'ai encore strictement rien fait Gabi. Mais attendez, c'est pas... C'est là? C'est là? Mais qu'est-ce que je dois branler, là? Je... Ils sont tous morts. Donc c'est très pratique. Ouais, je viens de le commencer. Alors du coup, oui, j'ai vraiment... Je suis vraiment qu'au tout début. Mais sauf que je suis perdu déjà. Est-ce que c'est étonnant? Non. Mallette d'armes. Ah. Ça, ça peut être bien ça. En soi, on prend. Hein. Moi, je suis toujours en reste de... En reste de d'armes. Mais qu'est-ce que je dois faire quoi là? Je dois aller voir qui? Il y a personne pour me renseigner. Hello. Hello. Mais c'est une blague.
Eh mais c'est moi qui dois être très nul là, parce que franchement je capte même pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire? Mission. Négocier avec le capitaine de la flotte écarlate. Bah il est où? Y'a pas un truc où ils peuvent te mettre un petit repère sur la carte pour Non. Ah voilà. Voilà, super. Ça sera beaucoup plus utile hein, avec un... Beaucoup plus simple. Avec un petit repère bleu. Surtout moi. Oh, ok. Mais comment j'étais censé savoir qu'il allait faire ça? Je savais pas. J'avais pas vu l'échelle. D'accord. Ok, donc là, je vais pouvoir négocier. Je vous jure. Quelle expérience douloureuse. Alors, où est-ce que ça nous emmène? On n'avait plus d'oxygène. Ah, mais attendez, mais comment je fais pour prendre de l'oxygène? Moi, j'y connais rien, moi. Et je vais crever sans savoir comment. Caisse scientifique. Je prends tout. Ah, voilà, là, on peut respirer. Si j'ai pas capté. Non, mais c'est quoi ça? La frontière a changé de capitaine. J'ai rien compris au jeu, là, pour l'instant. Avait pris son vaisseau après l'avoir descendu. Mais non, bosse avec. Hop là. Ouais, c'est ça. Votre collègue Barrett vous l'a peut-être pas dit, mais il y a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Ah ah. De centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. C'est mort. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le frontière a visité bien des planètes et des lunes. D'accord. Mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchées et diverses espèces de fourmis. Je me ferai pas avoir par un robot que Barrett a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Mais non, tu prends pas le vaisseau. Il y a pas de trésor dans mon vaisseau. Arrêtez avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. C'est l'heure de faire des systèmes occupés. Un endroit plus sûr. J'imagine qu'on peut pas en rester là, c'est ça? Persuader. Je vais essayer de le persuader. Vous nous priverez pas de ce butin. Merde. Pour persuader une personne, vous devez faire les bons choix. Il peut s'agir de mots gentils, de diversion, de menaces. Chaque choix présente une difficulté. Plus celle-ci est élevée, plus vous avez de chances d'échouer. Mais vous remportez plus de points en cas de réussite. Ah! Vous vous trompez. Constellation est un groupe d'explorateurs, pas de chasseurs de trésors. Si vous voulez échanger de vaisseau, avec plaisir, le frontière grince quand il tourne. Je viens de passer tout votre équipage. Vous voulez vraiment tenter votre chance? Oh, je tente quoi? Je tente le plus... Moi, j'ai envie de tenter le plus 3, là. Si vous voulez changer de vaisseau, eh, vas-y, prends-le, moi, je prends le tien. J'ai pas envie d'être dans la menace. Mais j'ai pas non plus être en... J'ai pas envie non plus d'être trop... trop gentil. Genre, vas-y, bah, si tu veux échanger, vas-y. Prends le tien, prends le mien, moi, je prends le tien. Je vois plus comme ça, moi, les choses. J'ai pas envie de lui dire, ouais, je viens de tuer tout votre équipage. Non, on va partir sur le plus 3. On va voir ce que ça donne. Vous m'aurez pas comme ça. Votre vaisseau regorge de butin et on le veut. Prends-le alors! Prenez un moment pour mesurer ce que vous avez perdu. Inutile d'en perdre davantage. Vas-y, plus 3. C'est vrai que tout ça commence à revenir cher. Ah! Je vais rester sur le plus 3. C'est ce qu'on va voir. Merde, ça n'a pas marché. Je suis programmé pour le combat. Non, il n'a pas voulu. Ce n'est pas ma fonction principale. Il n'a pas voulu de la persuasion. Eh ben attends. Eh ben tant pis pour toi. Attends, comment on fait pour se blesser déjà? Voilà. Tant pis pour toi. Ah merde, j'ai plus de munitions. Comment on fait pour changer d'arme? Merde, je sais pas changer d'arme. Je ne sais pas changer d'arme. Ah, là ça en est des munitions peut-être, j'ai vu. Non. Ah, attendez. Oh là là, mais quel enfer, mais quel enfer. Non, c'est pas ce menu là. Mais il y a forcément un bouton mieux quand même que de changer ses armes comme ça.
C'est quand même plus simple, je pense. Il y a toujours des soucis de son, hein. Ok. Là. Oh, je trouve. Vas-y, viens. Stop, 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 stop. Lâche-moi les masques. Mais putain, mais ils arrivent à me toucher quand même malgré que je sois planqué dans le truc là. Voilà, super, lui il est mort. Je vais dire voyage rapide si je dois trouver le vaisseau. Bah non, il y en a encore un. Il y en a encore un à tuer là. Bah, you. Ah, ok. Je vais peut-être prendre tout ça. Salut Ambre, salut Marie. LB pour ouvrir le vaisseau. Alors, LB c'est quoi? LB, c'est ça. Non, LB c'est quoi? Cherchez l'icône de votre vaisseau sur la carte et appuyez sur A. Carte de la surface, RB. Et ensuite, vaisseau. Ok, et j'appuie sur A. Non, Y. Voyage. Oulala, il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup de touches à appuyer, à assimiler. Oulala. Bah, ça va très bien, et toi, Marie? Eh, c'est pas simple à maîtriser au début. Le gameplay, c'est vraiment pas évident. Hein. Capitaine. Jusqu'à. Vous présent, pouvoir nous rendre au siège de constellation sans interférence de la part de la flotte des Carmates. Ok. Atterrir dans la ville de New Atlantis. Ok. Ne vous inquiétez pas. Très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Depuis le menu, alors. Ok, donc là, carte stellaire. Les missions, elles sont là. Appuyez sur X pour mettre automatiquement le cap vers votre nouvel objectif. Ok. Ok. Putain, mais c'est ouf, il y a trop de trucs là. Ok. Et après, je fais quoi? Sauter. C'est ça? Eh, je capte rien du tout, hein. Je me laisse porter par la vague. Mais je capte que dalle. Mais moi, on me dit d'appuyer sur un bouton, j'appuie. Voilà, voilà. On y va! Vas-y, voyage, mon petit vaisseau spatial! Bisous, Constance, bye bye! Ok, Ranger! Vaisseau frontière! Alerte, alerte! Sécurité de l'Union coloniale. Je suis dans le vaisseau! Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Je maintiens le cap! Je maintiens le cap! Scan terminé? Oui! Pas de contrebande détectée! Ok! Autorisation d'atterrir à New Atlantis! D'accord. C'est où, New Atlantis? Ok. Ouais. Je pense que c'est là-bas, du coup. On va aller voir. Wouh. Allez. On y va. Ça secoue. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'accord. Mayday, j'arrive. Oui, d'accord. Alors attendez. On doit aller à où? À New, je sais pas quoi là. New Atlantis. Voilà, je vais atterrir. J'atterris. Attention, ça va secouer. Bon courage, Marie. Bah écoute, ouais, c'est sympa, mais je capte rien quoi. Il y a beaucoup d'infos comme ça. Tu dois manger beaucoup d'infos, beaucoup de tutos et de tutoriels. Franchement, je capte que dalle. Donc, je souris
et je vais là où on me dit d'aller. J'ai gagné un niveau déjà, c'est déjà bien. J'ai réussi à faire mon personnage, ce qui est déjà une grande chose. Un affrontement. Je sais scanner. Bon. J'ai déjà beaucoup. Voyager, j'ai rien compris au truc du vaisseau. C'est déjà pas mal. Ah ouais, il faut prendre des notes. Hein. Oh, quel enfer, il y a beaucoup de trucs. Hein. Bon, après, faut être habitué à ce genre de jeu. Moi, je suis pas du tout habitué. Allez à la loge. Ok. Donc là, je quitte le vaisseau. C'est bon, j'éteins tous les boutons. Bip, 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 bip. Ok. Boop, boop. Voilà, c'est bon. Hop, frein à main. Bip, bip, boop, boop, boop. Ok, c'est bon. On y va. On quitte le vaisseau. Ah, on peut se lever du vaisseau pour voyager. Ok. Nouveau lieu, New Atlantis. Waouh. Putain, on se croirait dans le lycée dans FF8. Définir comme mission active, bien sûr. Parle au technicien, c'est toi, bonsoir. J'adore. Les lèvres. Et voilà notre voilà. Nouveau capitaine. Mon équipage peut les lèvres bougent avant le texte, passez j'adore. Par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Ça marche. Mon vaisseau doit être réparé. J'aimerais voir et modifier mes vaisseaux. Montrez-moi donc ces vaisseaux que vous avez à vendre. Ou est-ce que vous dites que je vais vendre ma cargaison? 1000 crédits, j'ai pas d'argent. Tout m'a l'air en règle. Je serai okay. Dans la boutique si vous avez besoin de moi. D'accord, merci. Au revoir, monsieur. C'est quoi ce truc jaune? Ah, c'est ça qui permet de vendre les trucs qu'on a. Ah bah regardez, justement, on avait pris plein de trucs là. Ressources et tout là. Aligneur, microscope. Regardez ça, on peut les vendre. C'est ça? Je peux vendre ça? Attendez, j'ai peur de faire une connerie là. Acheter, non, je veux vendre. J'ai acheté ou j'ai vendu? Je crois que j'ai acheté. Ah putain, j'achète les trucs là. Non, moi je veux vendre. J'ai rien compris. Je vends ou j'achète là? Ah non, c'est lui. Non, non, c'est lui qui... C'est le marchand qui m'achète. C'est ça? Attendez. Oui, c'est ça. Mes crédits sont en bas à gauche. Et l'argent du marchand, il est en haut à droite. Et c'est les sous qu'il a dans, en stock. Voilà, donc je vends toute cette merde. Et après, qu'est-ce que je peux lui vendre? Non, je vais pas racheter ça. Je vais pas racheter ça non plus. Bah, y'a rien d'autre? Je peux rien faire d'autre? Vendre. LB. C'est quoi LB? LB. Combinaison, munitions, sac, casque, tenue, soin. Note, ressources. Qu'est-ce que c'est les ressources? Non, ça on va les garder, on sait jamais si c'est pour créer des trucs, je crois. Bon, bah je me suis fait un peu de sous-sous. Ok, donc là on est à New Atlantis. Qu'est-ce qu'on va y faire ici? Je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union coloniale ne restera pas. Ok. Bonsoir. Nous allons scanner lorsque vous entrerez en ville. Veuillez avancer. D'accord. C'est cool que ça rame un peu et que... Et qu'il y ait des problèmes d'image et de son. Parce que en vrai le jeu est canon hein. Regardez comment c'est beau en vrai. Les environnements ils sont quand même incroyables hein. Mais ça ramouille parfois hein. Il y a des soucis de son et d'image. Mais le jeu est très beau hein. Et encore je pense que je suis pas au top des graphismes hein, sur mon PC. Mais le jeu est vraiment très beau. Oh, ceux qui kiffent vraiment les trucs spatiaux et tout, je pense que oh, vous allez adorer explorer ce genre d'univers. Hein. C'est grave beau. Putain, mais c'est. Ouais, c'est. C'est captivant en vrai. Hein. C'est l'entreprise de transport de New Atlantis. Gratuitement. Ah, oh, bah si c'est gratuit, bah on y va. Gratuitement dans la ville. Si c'est gratuit. Alors, je vais aller au quartier du TAMS, qui veut dire... T'inquiète, après ma sieste. T'inquiète, après ma sieste, on se capte. Voilà, on va aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller directement dans le district. Donc, t'inquiète, après ma sieste, on se capte.
On y va. On prend le petit tramway là, le petit truc. Le petit tram direction TAMS, qui veut dire évidemment la Tower American Miami. Salut Nat. Je sais même pas ce que ça veut dire TAMS. TAMS the mansion non, TAMS. Oula, on est arrivé. Ouais, ça ramouille. Allez. Merci. Chaque jour, c'est crédit. Alors, où est-ce qu'on est arrivé? Attendez, mais... Où est-ce qu'on est, là? Quartier du TMS. Taf. Mais c'est gigantesque, en vrai. Apparemment, on peut parcourir plus de 1000 planètes hein, dans le jeu. Bon, il y a des planètes qui sont ultra vides. Il y a un peu de tout. Contactez-le si ça vous intéresse. Mais 1000 planètes. Nous vous en serions reconnaissants. Palais au sergent. D'accord. Nous sommes dans une ville de l'Union coloniale. Et Constellation est une entité neutre. C'est grave stylé, hein. Ok, bonsoir. Merde, c'est pas par là, je suis con, je me suis trompé. Mais il y a un chemin là, c'est ouvert. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Paret vous a donnée. Ah oui, la montre. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Mon Apple Watch. Et nous y attendrons. Voilà. Du coup, ça... Waouh, du coup, ça ouvre la porte. Putain, on a vraiment une montre de taré quand même. On a une montre de dingue. Super. Une montre qui ouvre des portes, quoi. Enfin, rien que ça. C'est beau. Donc là, on est arrivé à la loge. Ok. Entrée dans la bibliothèque. Ok. On rentre. Capitaine. Tout bonsoir. Bonsoir, madame. Il semblerait que nous ayons de la visite. Oui. Oh, ça bug, hein. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Elle est jolie. Bonsoir. Ça bug. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui? Bah écoutez, j'ai touché un truc. J'ai touché une artefact. J'ai eu une vision. J'ai une sorte de... Je sais pas. J'ai une vision. Et on m'a dit de venir. Voilà. Je vois. Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. Sont factuelles. C'est du Barrette tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone. Oula. Walter. Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Bah on va voir. Moi, m'a l'air bien. Grouillot, comme vous dites, j'ai un bon feeling avec cette dame. L'artefact. Lui, je l'aime. Merci, Mathéo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord? Elle m'a l'air bien, elle. Que s'est-il passé lors de son extraction? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Oui, c'est passé quelque chose, tout à fait. J'ai eu des lumières brillantes et de la musique. Voilà, exactement, je me suis... Oh, oulala, j'étais en plein trip. En plein trip. Similaire à la description qu'en avait faite Barrett. Avec moins de fioritures. Mm-hmm. Là, vous entendez ça? Vous me croyez maintenant? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catri, si vous pensez que nous allons croire à vos contes de fées... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Ok, qu'est-ce qui se passe ici, là? Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Mm-hmm. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table. Avec plaisir. C'est ça, exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ. Il y en a combien en vrai? Oh. Oh, ils réagissent.
Ils réagissent. Regardez comme les pièces sont. Allez. Oula. L'énergie qui les relie. Aucun matériau connu dans les systèmes occupés. Qu'est-ce qui se passe? Telle réaction. Ça prouve bien que. Du calme. Oh. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? À plus que Rem, à ce soir. Merci d'être passé. Alors, Catherine, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Oh. Et comment, Walter? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Bah, je suis avec vous maintenant. Elle a l'air bien, elle, je sais pas. Par contre, la voix, elle est mieux. Vous avez envie de vous mettre au travail? Oui. De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? C'est la vie que j'ai décidé de mener. Oui. Prenez le temps de vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Ça marche. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Allez, on fait ça, pas de soucis. Et tenez. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. Mais elle est bien gentille, cette dame. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Ah bon? Mais faites attention à votre tête. J'aurai un jetpack? Oh là là, génial! Ouais! Niveau 3. Alors attendez, comment je fais déjà pour les compétences? Bah trop bien si j'ai un jetpack. En combat peut-être, on va peut-être mettre des trucs en combat, ce sera peut-être mieux. Les pistolets infligent 10% de dégâts supplémentaires. Allez, ça je vais en avoir besoin. Parfait, j'adore. Le prof de français. Salut. Je vais te parler, Sarah Morgan. Parler des quartiers à Noël. Parce que vous voulez vous mettre annexe. Au travail? Oui. Ou il y a autre chose? Non, je veux me mettre au travail direct. Allez, on y va. Nous allons devoir mener un véritable travail d'enquête. Les artefacts sont relativement inertes une fois extraits de la roche. Oui, je pense qu'elle sait qu'avec le jetpack, je vais m'envoler très haut et je vais me taper la tête sans savoir de quoi sur le plafond. J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart du temps, ce sont de fausses alertes, mais j'ai un signalement intéressant de l'avant-garde de l'UC. D'accord. Je ressens une certaine excitation, grave. J'étais trop excitée quand j'ai commencé. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air quand vous savez que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Allez, on fait comme ça. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette piste s'épuise. Allez, super! Si vous continuez, Sarah sera verrouillée comme compagnon. Allez, rendons moi je veux. Rendons-nous au TAMS et contactons le bureau de recrutement de l'avant-garde, là où travaille mon contact. Super. Encore une chose. Notre première mission! Je me fiche de savoir qui vous étiez avant ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'UC jusqu'ici. Super. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités, compris? Oui! J'ai compris. Excellent. Allons faire un tour dans les rues de New Atlantis, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Allez, je vous suis, madame. Même si j'adore me poser de nouvelles questions, j'aimerais bien avoir quelques réponses. Je vous suis, madame. D'accord, bon, j'y vais tout seul. Allez, merci. Je suis à votre service, capitaine. On va parcourir les rues de New Atlantis. Eh, je sens qu'on peut faire tellement de choses. Ça se sent dans le jeu que... C'est un jeu où il y a tellement de possibilités. Ça se ressent. Ok. Elle est où la dame? Je vous suis, madame. En gros, je dois y aller tout seul, quoi. Et puis tu me suis, en fait. Ok, super. Allez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Wouh. Alors, qu'y a-t-il ici? Voilà, je me suis encore trompé de chemin. je me suis encore trompé, voilà, bon, j'ai pas le sens d'orientation.
Ah, Naphtaline, je suis toujours en live le vendredi après-midi maintenant. Depuis la rentrée. Le vendredi après-midi, c'est mes lives découvertes. Ça va? Ok, bah j'ai pas pris le bon chemin, évidemment. Évidemment. Bah, je vais sauter dans l'eau. Oh là là. Mais c'est quel chemin qu'il faut prendre? Bah voilà, je me trompe encore d'endroit, comme d'hab. Ah bah c'était là. Tout est normal. J'arrive. Oh, je vais faire bugger le jeu. Je vais faire bugger le jeu. Bah voilà. Bah je suis coincé. Ah là. Je peux passer par là Ah bah elle est là la dame. Désolé, je suis tombé dans l'eau, pardon. Bah écoute Naphta, c'est ce que je disais à Gabi. J'y ai joué un peu plus d'une heure. Donc franchement pour le coup j'ai pas d'avis quoi. Sarah, ça fait plaisir de te revoir. Pour l'instant j'ai vraiment pas d'avis sur le jeu. J'ai pas encore assez de... Il s'est encore pas trop... Il s'est rien passé pour l'instant. Bonsoir. Mais en tout cas, il y a des quelques soucis de son et d'image. Mais en soi, ça va quoi, c'est jouable. Mais ça manque un petit patch hein, quand même. Gagner quelques crédits, voire obtenir votre citoyenneté auprès de l'UC. Là, on va justement faire notre première exploration, je crois. D'accord, d'accord. On peut pas me reprocher d'essayer, hein. Après tout, j'ai pas encore renoncé à convaincre Sarah de se réengager. C'est notre petit jeu. Il demande, je dis non. Ok, ça marche. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Mohara. Il patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Ok. Sol? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas? C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde et qui correspond à la description de ça. Ah, donc c'est un artefact, alors. On devrait pouvoir lui faire une offre raisonnable. On y va. Sol est un grand système. Salut, Lou. Mais un vieux comme Mohara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Allez. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars? Bien sûr. Il n'y a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. Merci pour votre aide. Pas de problème, je ferai tout pour Sarah. L'UC n'oublie pas les siens, même les enfants prodigues. Les enfants prodigues. Je plaisantais pas avec cette histoire de recrutement. Venez me voir si vous changez d'avis. Ouais, ça marche. À ce soir. Ok. Renseignez-vous sur Mohara à Sidonia. Ok. Parlez au commandant Tuala pour rejoindre l'avant-garde. Je vais bien. Il faut que j'aille où? C'est en dessous. Bienvenue au Thames. Si vous avez un rendez-vous, vous pouvez entrer. Juste en... Ouais, c'est où que j'allais? L'avant-garde? Oh, moi j'y connais rien. Oh, j'en sais rien. Je sais pas. Oh, je sais pas où il faut aller. Je vais déjà être bloqué dans un ascenseur. A plus Manu. Je vais déjà être bloqué dans un ascenseur. Non, c'est pas là. Ah bah voilà, station Etna. C'est là? On est au bon endroit là? Moi il faut m'indiquer où hein, parce que sinon moi je vais être perdu hein. Je peux pas improviser. Je ne peux pas improviser hein. Faut me dire concrètement. Ok, sauvegarde. Ah il est là le tram là. Ok. On y va. J'ai hâte de faire ma première exploration. Voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va scanner encore des trucs? Est-ce qu'on va trouver des matériaux? J'ai hâte. A plus Gabi. Ouais, go, go, go. On y va là. Mais c'est bien, ça se met en place. Il y a une histoire d'artefacts et tout là. Il y a un truc très chill dans l'histoire là. J'aime bien. Un truc un peu voyage... à travers un artefact qui se connecte, qu'est-ce que ça donne comme pouvoir?
Ça m'a l'air bien sympa en tout cas pour l'instant. J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles. Et pourtant j'ai encore la nausée dans les transports. Moi je suis là hein. Chérie, tourne-toi, je suis là. Ok, sans prendre. Bon bah on y va. Oh bah ça va être trop drôle avec avec les bugs. Belle, hein. Quelle statue? Je pense que l'artiste voulait représenter. Je sais pas. Il voulait représenter peut-être des spaghettis qui s'en mêlent dans une non. Bon, allez on y va. Tu me suis madame? Mais tu mets du temps, regardez comme elle court. Bah dépêche-toi. Allez madame. Oh là là, elle met du temps. Allez, on fait la course. Scanner de sécurité, renifleur de produits chimiques. Allez. L'Union coloniale ne laisse rien passer. Ouais, y a pas de mouvement. En fait, c'est pour éviter de foutre la gerbe aux gens qui ne supportent pas la première personne. Je pense. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que si t'avais le personnage qui faisait ça à chaque fois que tu marchais. Oh ouais. Je crois que tu dégueules. Ok, c'est bon, on est dans le vaisseau. On monte à bord. Alors là, vous allez voir mes compétences incroyables pour pilotage de vaisseau. Ok, siège de pilote. Allez, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Allez, on décolle. On décolle. Ah ouais. Mais il y a des... Là, dans ce jeu-là, il te propose trois vues. Première personne, et après, troisième personne, et un peu plus proche. Au moins, ceux qui veulent pas jouer à la première personne comme là, bah tu peux choisir ta vue. Ça permet... Il y a vachement de trucs sur l'accessibilité, là. C'est vachement bien. Comme ça, si t'aimes vraiment pas la première personne, bah tu peux switcher et avoir la vue du personnage. Ok. Alors, je vais réparer. RS, déjà, on va réparer ça. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se débrouiller tout seul. Genre... Non. On va faire ça. Ensuite, carte stellaire. Carte stellaire, mission. Le vieux quartier. Nous devons trouver l'avant-garde Moara. Donc je clique sur ça. Sidonia. Là, ça y est, je l'ai validé la mission si j'ai bien compris. Et là, je dois aller à Sidonia. Comment je fais pour... le système, retourne au système. Ah voilà. Sidonia. Alors Sidonia c'est où? Non. Sidonia non. Où est-ce que c'est? L'Iris. Sidonia, non, 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 non. Mais ça te marque pas le... Bondar? Mais c'est où Sidonia? Genre là, ça devrait te le... Affiché sur la carte! Attends, ah ok. C'était dans une autre système solaire. Ok, ouais, donc j'aurais jamais trouvé. Ok, super. Et mettre le cap, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et comme ça, tu voyages. Sauter. Et là, ça y va tout seul? Non? Bon, je dois aller là-bas. Non, mais c'est super loin, là. C'est pas comme ça, je pense. Je pense que j'ai pas fait la... Oh non, c'est super loin. Comment on fait pour y aller? Je capte rien. Me montrer, peut-être.
Mais je capte rien, je te jure, je capte rien du tout à cette map. C'est hyper chaud, hein. Mettre le cap. Mais on peut pas juste y aller direct sans faire tout le voyage ou je suis obligé? Mais je crois que je suis obligé de faire ça en fait. Je crois que je suis obligé de me laisser porter. Et tu vois? Je crois que j'ai pas le choix d'y aller comme ça. Mais je peux pas dire si je suis proche ou pas proche. Je capte rien. J'ai pas l'impression d'avancer moi. Si. Mais j'avance ou j'avance pas là? Oh, mais je capte rien! J'ai pas l'impression d'avancer. Mais non, mais j'avance pas, on est d'accord. Mais c'est quoi cette merde? Attends, mais comment on fait? Comment je fais pour aller là-bas? Sauter, mais quoi sauter? Mais quel enfer, hein. Bah j'avance pas beaucoup, hein. Mais je vais trouver, hein. Afficher sur la carte, mettre le cap. Bah ouais, mais je crois que c'est ça, mais ça me paraît super loin. Ça me paraît long surtout. Me montrer. Mais vous pensez vraiment que c'est ça? J'ai vraiment pas l'impression d'avancer, hein. Y a pas moyen d'aller plus vite? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! J'ai rien compris! Scan terminé. Autorisation d'atterrissage accordée. J'ai rien compris à ce que j'ai fait! D'accord, ouais! Mais je suis où là? Attendez, mais j'ai rien compris! Oh, attendez, mais je suis arrivé là? Sidonia! Ouais! J'ai rien compris! Ok, je vais en chier, hein, sur ce jeu. Oh là là, je vais en chier de malade. Ouais! Oh là 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 là! Je capte rien! Allez, on y va! Bisous Nafta, merci d'être passé, bon courage pour la tondeuse. Oh là 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 là! Je capte rien. Il y a une chance infime que cette planète ait un jour abrité la vie. C'est étonnant, hein? Ouais, c'est carrément étonnant. Et ok, après on fait quoi là, chérie? Je suis pas allée sur Mars depuis un bout de temps. Le système sol n'est pas très fréquenté. Okay. Une autre fois, peut-être. Donc j'y vais tout seul, là, je me démerde! Mais je dois faire quoi? Mission. Renseignez-vous sur... Ouais, ok, mais... Il est où? Genre là, j'explore tout seul et je me démerde. Non, mais... Là, je fais ma vie, là. Ah, là-bas. Bah voilà, il est là, le truc. Ah, bah attendez, il y en a encore un là-bas. Inconnu.
inconnu. Ah ouais, mais je vais auquel ? Non, plutôt tu m'aides pas. Oh là 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 là. Mais quel enfer, hein. Ouais, pour vous montrer les différentes vues, vous pouvez faire jouer comme ça. Attendez, si j'arrive à refaire. C'est où pour les vues? Bah, ah, je peux plus vous les montrer. Ah, bah ça marche plus. Voilà. Très inclusif. Super. Utilisez un scanner portable pour placer une balise. Mais attendez, mais je sais pas faire ça, moi. Utilisez un scanner portable pour balayer... Mais qu'est-ce que je suis... Je sais pas le faire. Oh, vous me faites chier avec vos trucs. Alors, attends. Placez une balise scanner portable. Ah, voilà, c'est ça. Regardez, vous avez cette vue-là. Et vous avez une vue un peu plus éloignée. Vous voyez, si vous voulez cette vue-là. Si vous n'aimez pas la première personne. Mais j'ai envie de crever, là. C'est quoi, ce jeu-là? Placez une balise. Mais comment je fais? Oh là là. Moi je sais pas le faire. Moi je sais pas faire, hein. J'ai envie de crever là. Mais on fait comment, chérie? Plutôt tu m'aides pas. Oh là là, mais j'ai pas envie de m'accroupir. Oh, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi une balise? Il est où? Je dois le mettre où? Je sais même pas ce que je dois faire. Vas-y, je capte rien. Vas-y, je m'en branle. Allez hop. Mais je capte rien du tout. Ah attends, c'est ça une balise? Ah voilà! Non, c'est ça? Mais je comprends rien! Non, mais j'appuie sur toutes les touches là, c'est. Quel enfer! Mais je capte rien au jeu, hein! Ah là, il y a un truc. C'est quoi ça? De l'eau. J'ai analysé 10 trucs sur 10. Bah ça me fait une belle jambe. Hey, listen. Merci beaucoup pour le follow, prends place. Merci à toi. On est sur la découverte de Starfield. Eh ben... Sacrée découverte, hein. Je ne capte rien du tout au jeu. Voilà. Je ne capte rien. Scanner le lieu pour découvrir les informations liées. J'ai pas eu le temps de lire, vas-y. Va te faire foutre apparemment. Météorite rocheuse. Ok. Ouais. Niveau 4. Ouais. Oh là là, j'adore passer de niveau comme ça. Ouais. Ah ça, le soin. Ouais, c'est important le soin. C'est carrément important. Ok, donc il faut juste que je... En fait, faut juste que j'aille au spot, là. Là, vous voyez, ressources. J'ai réussi à avoir une ressource sur 4, si j'ai bien compris. Et c'est ça, en fait, ce que je dois faire. Eh ben, j'ai bien hâte que des gens qui ont joué au jeu, et quand ils vont venir sur mon live... Ils vont m'aider. Là, clairement, backseat autorisé. Même
très conseillé. Backseat. Très 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 conseillé. Même c'est vital. J'ai envie de dire backseat obligatoire. Ah oui, oui, très très obligatoire. Ah, il y a un truc à analyser là. Moi je fais que... Je fais que analyser des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Exactement. Si tu backseat pas, t'es ban. Mais je connais rien au jeu. Ouais bah voilà, faut pas venir. Bah, y a un monstre. Et en vrai, je suis perdu de fou hein. Et elle a pas dit qu'il y avait un jetpack là en fait. Ouais. Elle a pas dit qu'il y avait un jetpack. J'ai pas de jetpack. Attendez, madame a dit qu'il y avait un jetpack hein, on est d'accord. C'est ça? Constellation sac. Oh, ça a l'air d'être ça là. Ça a l'air d'être ça. Tenue fonctionnelle. Eh, il y a des trucs, déjà je peux changer ma tenue. Oh, pas mal cette petite veste là, on adore. Là je gagne en poids, la masse. Elle est plus basse. Donc on va mettre celle-là. Elle est belle celle-ci. Ok. Et là du coup j'ai le jetpack. Le jetpack. Mais c'est la merde. Non mais ça a pas marché le jetpack. Si c'est ça le jetpack. Ouais. Zone d'atterrissage. Ah bah je reviens au début. D'accord. Ok. 500 mètres, 600. On va là. Ouais, t'inquiète. Il y aura bien des gens qui vont venir sur le live qui auront joué à Starfield. Ils vont bien m'aider. Mais c'est vrai que c'est galère. Hein. Là, je fais vraiment du hasard. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est ce truc bleu? Du chlore. Ah, là il y a un bâtiment bizarre là, regardez. Il y a un bâtiment rouge. J'en ai aucune idée Nao, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais même pas si je vais y jouer après sur Twitch, j'en ai aucune idée. Je sais pas si je vais le placer ou quoi, I don't know. Je ne sais point. Là, il y a un truc rouge. On va aller voir ça. Ouh. Ouais, attendez, mais ça, c'est des monstres. Là, je vais me faire défoncer, je le sens. Que faites-vous ici? Partez. Ah, bah voilà. Vous n'avez pas d'hérétique. Oh, tais-toi! Lâche-moi! Non, je prends tout. C'est relatif, je prends tout. Y a encore quelqu'un là? Oh, tu m'as fait peur. Utilisez un scanner portable pour placer une balise. Mais c'est quoi le scanner portable? Putain. C'est quoi? Qu'est-ce que le scanner portable? C'est quoi le scanner portable? Mais y'a rien! Je capte pas. Ouais, je sais pas du tout comment je vais faire Nao sur le jeu. Laboratoire abandonné.
Ok. Ouais. Ça c'est quoi? Ouh. Ouh. Bonjour. Elle m'a même pas vu. Bon, allez, va me voir. Personne me voit. Ok, personne m'a capté là. Bonsoir. Tout le monde s'en fout de moi ou... Ah voilà. Là ça pique hein. Ah oui, par contre ils sont niveau 14 là, je suis en train de me faire... Oh mais là t'es en train de me mettre des coups de machin là. Il me met des coups de hache. Mais ça va pas. Ah merci. Par contre il donne beaucoup d'expérience. Vu que les niveaux ils sont grands là. Oh, je capte rien au menu. Aux touches. Ok, et comment je fais pour changer d'arme? Je suis obligé d'aller dans le menu à chaque fois. Non, ça me paraît bizarre ça de changer d'arme comme ça. Ça fait long quand même pour changer une arme. Tiens, tiens, tiens. Oh là, j'ai plus de santé, j'ai plus de santé. Ah, c'est bon, elle l'a eu. Merci chérie. Pacificateur, fusée à pompe épique. Ah ouais, carrément. Oh putain, elle est con, elle m'a fait peur, elle. Mais comment je fais pour changer d'arme? Mais c'est fou ça. Comment je fais pour attribuer des touches aux armes? Je suis vraiment nul. Favori? Ah! Ah bah voilà! Donc... Ok. Admettons. Voilà. Ça, on va mettre... ça, on va mettre... Merde, non. Ça, on va mettre... favori. On va le mettre en haut. Non, près de la machin. Voilà. Et ça, c'est un truc. Fusil à pompe épique, carrément. Alors là, on est bien d'accord, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, juste appuyer sur haut. Ah bah, génial! Voilà! Ça sera déjà plus simple. C'est bien, j'ai compris au moins comment on change d'arme. C'est déjà ça. Vous ne pouvez pas utiliser ceci pendant un combat. Attends, parce qu'il y a encore des gens à tuer là. Attends, pardon chérie. Pardon chérie. Pardon chérie. Oh là là. Qu'est-ce qui... Eh hey, mais je capte rien au jeu, hein. Je suis où, là? Est-ce que j'ai avancé dans l'histoire? Y'a quelqu'un? Hello? Ok, le son, il est encore en PLS. Je sais même pas si c'est la mission principale, principale que je suis en train de faire. Bonsoir. Oh là là, comment ça va? Voilà. Prends ça. Non. Bon bah je suis mort. Ouais.
Ouais! On tient le coup, hein. On tient le coup. Mais on voit que je suis vraiment pas habitué à ce genre de jeu, hein. Pourtant, FPS, si, hein. FPS, j'ai l'habitude, mais alors... Oula, 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 oula. Oh, il a sauté là, j'ai vu. Ok. Donc sur la vie là. Cher, là. Il me met cher. Oh, tu meurs quand? Ah, oh, voilà. Allez. Là, je vais crever. Vas-y. Découpeuse, j'ai rien là. Oh mais quel enfer. Mais je capte rien. La découpeuse, je peux le tuer ou pas avec ça? J'ai même plus de munitions, j'ai que dalle. Oh là là là. Il est où? Elle est là. Oh non, je suis mort. Oh merde. Bon bah écoutez, c'est peine perdue, hein. Bon, on va s'arrêter là. C'est carrément peine perdue. Je suis vraiment une grosse merde. On va sauvegarder déjà, ça sera pas mal. On va sauvegarder. On va s'arrêter là. Comme ça, au moins, je vais être opérationnel pour ce soir. Parce que là, j'ai vraiment... Mais alors, mais rien compris au jeu. J'ai rien compris au jeu. Concrètement, j'ai rien capté. L'exploration, j'ai rien capté. Bon. Va falloir que je m'y mette, je pense, en off. Parce que là, c'était pas très, très encourageant. Allez, une petite samba. Allez, c'est parti. Bon, concrètement, c'est pas très encourageant pour l'instant, je vais pas vous mentir. 2 heures où je n'ai strictement rien compris. Voilà, ça a l'air sympa à explorer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'a transcendé, quoi. Je vous parle en... Ce n'est que mon avis, hein, parce que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre de menu et tout. Mais les 2 premières heures... tu subis plus que ce que tu kiffes. En fait, tu subis ces tutoriels, tu subis les menus, tu ne captes rien. Ça peut être vraiment l'overdose de beaucoup d'infos d'un coup là. Va falloir vraiment prendre son temps. Va falloir vraiment, je pense, y jouer tranquille, courte session. Ça doit être un jeu qui doit te demander énormément d'investissement.
J'avoue ne pas être très emballé après 2 heures de jeu, mais ce n'est que le début, donc c'est normal. Au départ, tu vas en prendre plein la gueule, et puis le temps de t'y faire. Bon, à voir, à suivre. Est-ce que je vais le continuer sur Twitch ? I don't know, vous verrez ça. Ok, il y a encore un papillon. Vous verrez ça dans le prochain planning. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous donne rendez-vous ce soir pour un truc qui est beaucoup plus chill. On est sur du Gartic Fun ce soir avec la commu Discord. Si jamais vous voulez voir nos petits dessins, savoir comment on dessine et tout, bah on va jouer ce soir à Gartic Fun. Donc rendez-vous ce soir. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin après, un bon fin d'après-midi. Et puis à bientôt. Allez, bye bye. Bisous. Bisous, bisous. Attendez, attendez. C'est pas ça du tout que je vais faire.